Vous connaissez Squid Game? Bien évidemment! Mon cardio, il est mort là. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 joueurs qui vont devoir s'affronter sur des mini-jeux que vous connaissez tous sur Discord. Ça sera pas dans la vraie vie, bien évidemment, il restera qu'un seul survivant à la fin. Qui sera le gagnant et remportera un cadeau? On va le découvrir tout de suite. Let's go! Aujourd'hui, on vous a fait venir. Ouais, on a fait ramener une équipe de folie. Non, mais en gros, il y aura plusieurs morts. Par exemple, le premier qui meurt, il va devoir se jeter par la fenêtre. Le deuxième, un coup de couteau. Tout ça, ok? Ok, ok, bon, on va commencer avec le premier petit jeu. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour le premier jeu, nous allons raconter des blagues et le premier participant à rigoler se fera éliminer. Comment appelle-t-on un rat avec la queue coupée? Un raccourci. Okay. Allez Clément, joueur 3, éliminé. Vous savez pourquoi Michael Jackson peut pas faire de marche arrière en voiture? Parce qu'il est mort. Quelle sorte de melon donne du lait? Le mamelon. On va passer maintenant à l'épreuve suivante, vous avez été résistants les mecs, je suis fier de vous. Le jeu est simple, le premier participant à utiliser le mot oui ou non se fera éliminer. Ça commence dans 3, 2, 1, ni oui ni non, c'est parti. Est-ce que vous connaissez les règles du jeu? Tout à fait, bien sûr. Ok, bien sûr. Dis-moi joueur 1, il fait beau chez toi? Plus maintenant. Attends mais Will, ta cam elle marche ou pas? Non, non. Merde. Dis-moi Sébastien, t'aurais pas un chien chez toi? J'en ai un seul, oui. Ouais, mais... Ah, yes, c'est la fin pour Sébastien, on va tout de suite l'expulser. Vous êtes les seuls restants. Vous êtes trois. On va passer au jeu numéro 3, c'est parti. Pour le troisième jeu, ils vont devoir choisir leur ordre de passage. Lequel sera le plus avantageux? Pour le troisième jeu, vous allez devoir choisir qui sera le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. À passer, dans l'ordre. Ah ouais, ce jeu, ok, ok. Le premier qui lève la main pour choisir. Ok, Will, t'as levé en premier. Will, combien? 3. 3, ok. Deux. Le premier qui lève le petit doigt, il choisit. Désolé, Baptiste. Okay. Moi, vas-y, numéro 2, moi. Ok, okay. Vas-y. Bon, bah, Baptiste, tu es numéro 1. L'épreuve, vous allez avoir une minute pour retenir un poème le plus vite possible. Vous aurez, comme je vous l'ai dit, une minute. Et à la fin, vous allez devoir passer un par un et réciter votre poème. Celui qui a le moins bien appris est mort. Est mort. A partir de maintenant, vous avez une minute, c'est parti. 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Ok, c'est parti. Alors, joueur numéro 1, tu vas tout de suite nous réciter les 6 premières lignes du corbeau et du renard. On te laisse la parole, c'est parti. La première erreur, si tu as plus de 3 secondes où tu recherches. C'est terminé. Sérieux? Ouais. Et regardez vers le plafond, parce qu'au cas où si vous êtes des petits malins à avoir mis le texte sur le téléphone. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, Baptiste. Maître corbeau sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Putain, en plus il a dit sur ton arbre perché. C'était une erreur. Joueur 2. Ah mince, des Attends, regarde le plafond. Ouais. Révisez pas, les gars. Là, c'est chaud. Hein. Non, le plafond, non, attends, regarde le plafond. Quoi? Faut regarde, le plafond. Regarde vers le plafond, les yeux. Cache tes yeux. Voilà, ouais, justement. Vas-y. Maître corbeau, perché sur ton arbre, tenait un fromage. Et puis, il y a de la gueule, non? Je sais pas. Ok. Joueur numéro 5, c'est à toi. Regarde le plafond. Sur son odeur alléchée. C'est terminé. Vous êtes tous les trois catastrophes. Non, non, alors vous avez tous les trois perdu déjà. Mais ouais. Il nous faut quand même un il nous faut un gagnant. Finalistes là. Malheureusement, vous avez tous oublié le titre qui est important dans un poème. Wouah, non, c'est quoi alors? Bah, le corbeau et le renard. Ok, bon écoutez, on va vous garder tous les trois vu qu'on n'a pas réussi à prendre une décision. Plus que trois participants. Pour les départager, nous allons jouer le pierre-feuille-ciseau. Alors on va commencer avec le joueur numéro 1 contre le joueur numéro 5. Attends, deux secondes. Vas-y. C'est bien. 1, 2, 3. Ok. Un point pour le joueur 5. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
2-0. 2-3. Ok, 2-1, 2-1, 2-1 pour 2-3. Ok, 2 partout. Ok, là c'est la mort qui vous attend si attention, vous vous attention, qui va mourir. 2-3. Ok, gagnant joueur numéro 1. Joueur numéro 1 vs joueur numéro 2. 2-1. 1-0 pour le joueur numéro 2. 2-3. Alors ça fera maintenant 2-0 pour le joueur numéro 2. 2-3. Et okay. 3-0 pour le joueur numéro 2. Du coup, vu que le joueur numéro 5 a perdu, joueur numéro 2 vs joueur numéro 5. Ok, c'est parti, allez. 3, 2, 1, go. Ok. 1 point pour le joueur numéro 5. 3. Ok. 1-1. 1-1. 2-3. Ça fera 2-1 pour le joueur numéro 5. 2-3. Ok, joueur numéro 5, tu as gagné. Bon, vu que vous avez tous fait une victoire, une défaite, vous allez devoir vous affronter tous les trois. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. C'est la fin pour c'est un des joueurs. C'est la fin pour un de vous trois. Joueur numéro 1, éliminé. Alors voici les deux finalistes. Nous avons en face de nous le joueur numéro 2 et le joueur numéro 5. Ce sont les grands champions. On va tout de suite passer au jeu suivant. Et pour ce dernier jeu, nous allons jouer au pendu. Le premier participant qui trouve le mot éliminera son adversaire. On va enchaîner joueur numéro 2. Ouais. À toi de trouver une lettre. Ou un mot, tout de suite. A. Attention, vous devez dire une lettre ou un mot. Et il faut attendre que ce soit son tour pour dire le mot. Sinon, vous serez éliminé. Joueur numéro 5. S. Non. Non. Joueur numéro 2. C'est. Joueur numéro 5. Ciao. Ouais. De quoi? C'était ciao le mot. Il était juste au-dessus en plus de vous. Ciao. Je te laisse. Joueur numéro 2, c'est la fin pour vous. On se retrouve avec le gagnant, Will. Maintenant, Will est l'heureux élu. Du coup, tu n'es pas mort, on va pouvoir te libérer. Et tu vas ressortir de cette prison. Avec un petit bon d'achat de Amazon de 20€. On te verra ça sur Instagram. Bon, le budget n'est pas là, comme tu peux le voir. Nous avons fait ça sur Discord. Vu que je suis une petite chaîne, tu connais frérot, on pouvait pas faire un gros truc. Mais en tout cas, si les gens, on voit que les abonnés kiffent ce concept, on le refera en IRL, en vrai. Ouais. Et avec un budget 100 balles, beaucoup plus gros. Même plus que 100 balles, beaucoup plus gros. Ouais. Donc voilà, donc t'as été le premier gagnant du testeur de cette vidéo et peut-être grâce à toi ça va bien marcher. Bon voilà, merci d'avoir participé et puis à bientôt. Ok, bon, merci d'avoir vu la vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Franchement c'était super cool. T'es bien aimé. Ouais, on a pris grave du plaisir à faire ce genre de concept, ouais. On n'hésite pas à le refaire en vrai dans la vraie vie. Ouais. Si ce concept il marche. Ah bah attends, parce que là c'est une fausse vie là, ce qu'on vient de faire. Non mais IRL, tu connais. Ouais, IRL life. Moi aussi je le dis mais ça va. Bref. Tu peux le redire. IRL. En anglais. IRL. In real life. Ah, in your life. In real life. Mais en tout cas, si vraiment vous aimez cette vidéo, mettez des commentaires, un like, un maximum, partagez. Et on refera, comme il a dit, avec en plus IRL. De participants, avec de meilleurs moyens. Et surtout, avec des meilleurs jeux. Et plus de thunes. Plus de piment. On va vraiment faire des activités en vrai, comme il a dit. Et surtout, du coup, ce qui veut dire en vrai, ça veut dire des activités beaucoup plus visuelles et beaucoup plus dangereuses. Oh. Là, il y aura... Et là, je sais si, juste pour vous spoiler un peu. Tu sais pas parler. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui meurent, on va leur mettre un coup de paintball. Si on voit que ça a marché. Ouais. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, la team. Ciao. Ciao. Ciao.